suite aux multiples dénonciations des abonnés sur la mauvaise qualité de service des téléphonies mobiles, l'Agence de régulation des télécommunications prend le taureau par les cornes. Au-delà des mises en demeure régulièrement adressées à MTN et Orange, après plusieurs descentes sur le terrain, le régulateur durcit le ton et prescrit à ses opérateurs une amélioration rapide de la qualité de service, ainsi qu'au respect des engagements contenus dans leur cahier de charges respectifs. Le travail acharné du gendarme des télécommunications en back-office débouche donc sur des mesures à mettre en œuvre qui permettront de résoudre les problématiques liées, entre autres, au remboursement du crédit data non consommé en cas de perturbation du réseau, à l'absence d'un outil de couverture et de la performance du réseau et à la sensibilisation des consommateurs aux usages des services de communication électronique. Pour rassurer les abonnés et rétablir le climat de confiance quelque peu altéré ces derniers jours à cause des griefs suscités, MTN et Orange s'engagent donc à fournir aux nombreux abonnés des services de téléphonie mobile de qualité dans de brefs délais. D'ailleurs, dans leurs communiqués respectifs, ils annoncent la mise en œuvre d'une batterie de mesures telles que prescrites par le régulateur dès le 11 mai 2023, précédée d'une grande campagne d'information et de sensibilisation sur les méthodes et astuces qui permettront d'éviter des pertes de crédit. Attentif aux préoccupations des abonnés, les compagnies de téléphonie mobile annoncent également une accélération, ceci en vue d'offrir une expérience de qualité aux abonnés. Le régulateur qu'est l'ART veillera donc à l'implémentation immédiate des engagements de ses opérateurs contenus dans leurs communiqués respectifs pour la satisfaction des nombreux abonnés.